Bref, Marine nous a annoncé qu'elle allait se marier avec Alex. Marine, c'est elle, 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 et encore elle. Et Alex, c'est lui, 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 et encore lui. Je vous avoue qu'on était ravis qu'elle se marie avec Alex. Parce que depuis qu'elle est partie à Bruxelles, on avait un peu peur qu'elle nous ramène un Belge en costume. Et puis avec la Belgique, on passe du foie gras sauterne au moule et à la bière et encore la bière. Bref, Marine la Belge se marie et quand elle nous a annoncé qu'on essaie ses témoins, on a réagi comme ça. Puis après, on s'est rendu compte qu'être témoin, c'était essuyer les larmes de la mariée, lire des discours, faire une vidéo et organiser un enterrement de vie de jeune fille. Pour ça, on s'est concerté pour savoir si quelqu'un avait une idée. Et finalement, l'enterrement d'une jeune fille, ça a donné ça. Des combats de sumo. Un pique-nique chic au champagne. Une journée en lapine. Une soirée en princesse. Du pole dance. Une virée en limousine. Et puis, je vous avoue qu'on voulait aussi la faire chanter, mais on avait un peu peur parce que la dernière fois... Bref, on l'a fait chanter et ça a donné ça. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la mairie de Fronsac. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être la première. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, je fais des détours dans le quartier. C'est fou comme un crépuscule de printemps ramène le même crépuscule qu'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, château, la Dauphine. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la mairie de Fronsac. J'avais eu si souvent envie de lui. Le bel Alex me regardera-t-il? Céline voulait explorer le subconscient. Remont-elle à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, t'es ingénieur. Et toi, Benoît, tu te marres toujours pour rien. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la mairie de Fronsac. Connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mortel nouvelle a fait place. Et vous,
toi, Julie, qui ambitionnait simplement d'être heureuse dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi, Aline? Et toi, Christelle? Et toi, Fanny? Et toi, Mélanie? Et toi, Ingrid? Et toi, Julie? Eh bien, c'est formidable, les copines. C'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'un lycéen derrière moi. S'il part à gauche, je le suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. Attendez-moi.